bah vendredi soir, tu seras là pour la FNG. Aujourd'hui, on se retrouve pour une répétition au cabaret de Marie avec la team burlesque. Une répétition qui s'annonce compliquée. Non, mais Céline, hein, qui est en retard. Pardon? J'étais vraiment en retard en plus. Oui. Non, je rigole. En vrai, j'étais chaud pour commencer à 9h30. Bah, dans ce cas-là, soit là au moins à 10h, quoi. Ça commence, et du coup, je suis déjà un petit peu saoulé parce que, encore une fois, les chorégraphies ont changé. Donc, moi, je suis totalement perdu, comme vous pouvez le voir sur ma tronche. Mais voilà, j'essaie de rester focus, c'est de rester à fond dedans, mais c'est compliqué là. Avec Méline, on décide de changer le porté dans le duo, puisqu'après plusieurs essais, on n'y arrive vraiment pas. Et du coup, Lynn se propose de nous montrer un de ses portés, et vous allez voir, c'est drôle. Laisse bien plier ton bras, c'est pas possible. Vas-y, Méline. Et toi, David, faut que tu commences à tourner. Tourne, tourne, tourne. Bouge pas. Bouge pas sa jambe. Je sais. Mais va, vraiment, va doucement et c'est moi après qui donne l'air. Vas-y, okay. Penche, vas-y. Tourne, voilà. Yeah. Et maintenant, faut que. On va contracter la gueule qui est là. Et vous savez que j'ai moins peur d'être près du sol que d'être en hauteur. Et faites au moins 4-5 tours. Attends, t'as dit 4-5 tours. Ah oui. Ah bah pour qu'elle prenne de la hauteur. Parce que là c'est... Oh mais... Attends, t'as dit 4-5 tours. Pour qu'elle prenne de la hauteur. Vas-y, vas-y. Bon. C'est bien, t'as fait... Oh c'est trop bien. T'as dit trop la cheville. Juste un truc derrière. Tu sais ce qui serait joli d'intégrer dans votre machin? C'est bien que t'arrives en courant et que tu fasses une petite retenue genre arabesque. Et là, il t'attrape et il dit... Ah ouais, c'est carrément ce que je veux faire. C'est vrai, j'ai peur qu'à la cheville, j'ai pas assez de force pour le maintenir. C'est possible. Donc, tu peux me faire une arabesque. Voilà. En fait, c'est que j'ai pas l'impression de pas retenir. Ah, mais t'as déjà plus de force là que sur le haut de son mollet. Hein. J'ai plus de force là Allez, tour, voilà, encore. On décide finalement de pas garder le porté puisque on n'y arrivera pas. Et on reprend les répétitions. Vas-y, go. Ouais, ok, voilà. Vous arrêtez dès que vous sortez. Encore une fois, il y a des soucis dans la chorégraphie. Personne n'est d'accord, personne n'est ok. Donc, ça commence à me saouler, vraiment. Et malheureusement, quand je suis saoulé, je deviens insupportable et très 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 arrogant, comme vous allez le voir. Le son, il est par là. Ça va, c'est deux retirés et un rassemble. Ouais, David. Et après, je sais pas, ça va par là. De quoi? Saute là. Si, tu sautes celui-ci par là. Ah, mais comme ça? Non, comme ça. Comme ça. C'est pas le côté. Ah, c'est impossible. Je sais pas sauter comme ça. C'est jambes publiques. Je sais pas faire ça. C'est jambes publiques. Oui, c'est jambes publiques. Ah ouais, c'est ça. De tendu, hockey. Ouais, moi j'aurais jamais fait ça. Voilà, ok. Ah oui, parce que moi je sais pas faire l'autre. Moi c'est la même chose. Voilà. Les répétitions continuent avec toujours un peu la même tension entre tout le monde. Mais bon, je prends sur moi, je respire, tout va bien se passer. On y croit. Toujours en continuant le déménagement de Marie entre deux cartons, on reprend encore les répétitions pour le cabaret. On veut vraiment que cette dernière prestelle soit parfaite, donc dès qu'on a 5 minutes, on répète. Pas moi. Je me suis explosé la main, mais et en plus, on finit par sortir dans un petit club latino, etc. Donc c'est vraiment trop bien. Et puis après, une fois qu'on rentre... on répète. Encore. Encore. Et encore jusqu'à je sais pas quelle heure, donc j'en peux plus. Mais voilà, on est liés par la danse, c'est ce qui nous a réunis et c'est ce qui nous fait vibrer entre nous. Donc on a pu créer un lien
encore plus fort en dehors de la danse, et ça reste quand même la danse le tronc commun à notre relation. Mais aujourd'hui, tu vas être pas enterré, tu vas faire ça. Et aujourd'hui, enfin, c'est arrivé, c'est la répétition générale du spectacle du cabaret de Marie. Qui dit répétition générale dit que le spectacle arrive. Il est à côté. Installez vos costumes dans l'ordre qu'il faut du spectacle. Vous êtes tous prêts à commencer. Ça va être ça. Ça doit être des robes de concours. On verra ça après. Costume, mais elle n'avait pas justement un truc par rapport au bustier. Non, justement, Luna, c'est la seule qui avait déjà son bustier. Ouais, bien sûr. Du coup, mais là, c'est là-bas, donc on a tout ça pour nous. Avec deux hommes. Ah, bah nickel. Donc, il y a trois. Deux hommes, tout ça. C'est génial. Il n'y a pas de star ici, il n'y a que moi. Christina, un avis. Bon, bah j'espère que là, c'est moi la star. C'est Claude. Hey, sister, go, sister, soul, sister, flow, sister. Je pense qu'à un moment, on va tous descendre et ce moment-là, t'apparais et tu fais des trucs. Ça peut être sympa quand on est tous là-dedans. Moi, je pourrais ou je danse avec vous parce qu'en fait, vous avez depuis des mois, voire moi, des années. C'est des esprits de toujours la danse, c'est ça. Maintenant, en fait, des années, voilà. Ça fait, on peut dire des années en fait. On vous repère ensemble sur la scène et moi, ça fait super longtemps que je n'ai pas dansé avec vous, même danser. La répétition générale se passe très bien, tout le monde se donne à fond, tout le monde met du sien. Et franchement, vraiment, ça faisait longtemps. Mais là, je sens qu'on est prêt et je sens qu'on va tout déchirer.